Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes réunis sur cette autoroute A9 pour suivre l'aventure folle de ce jeune skater, n'est-ce pas, Sacha Pradel, qui a décidé de relier Nice à Paris en seulement 2h40. Nous allons le voir, n'est-ce pas? Regardez. Le voici qui arrive. Nous le suivons en train de doubler des voitures. Skater fou, il rejoint Nice à Paris en seulement 2h43. Ah non, il fait demi-tour, il a oublié son sandwich à Nice. Nous sommes toujours au bord de l'autoroute A9 où nous attendons Sacha Pradel qui est reparti à Nice chercher son sandwich et qui va revenir incessamment sur le cap. C'est le skater le plus rapide du monde, nous allons le suivre. Voilà, ah le revoici, il a pris une boisson et un sandwich. Le voilà, il s'en va. Hop, hop. Ah, nous avons une supportrice sur la voiture. Que se passe-t-il, mademoiselle? Il a acheté un burger et qui fait du skate. Oh, mais qu'il est fou, ce Sacha Pradel. Allez, lui, tu peux arrêter. D'accord. Ah, le revoilà, le revoilà. Hein, il a dû oublier. Mais qu'a-t-il oublié? Oui, nous allons le savoir, car le revoilà enfin. Ah, ah, il semble qu'il ait oublié son aubergine et son poivron pour la ratatouille de ce soir. Mais comment va-t-il faire pour trouver des tomates? C'est ce qu'on se demande. Pauvre cow-boy solitaire, et je me suis perdue sur cette autoroute. Je ne sais même plus marcher comme il faut. Oh là 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 là, mais jusqu'où irai-je comme cela? Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de faire du stop. Arrêtez-vous, camion, arrêtez-vous, voiture, je suis Woody, le terrible cow-boy. Oh, mais n'est-ce pas la petite fille que j'ai toujours aimée? Oui, oui. Oh, Juliette, te revoilà. Je m'appelle Woody, j'ai une Kia qui est là. Et la police a osé m'arrêter en pensant que j'avais bu trop d'alcool. Du coup, je me vois obligée de marcher sur cette ligne blanche que vous voyez ici. Et je dois marcher droit afin de leur prouver que non, je ne suis pas terrassée par cette substance horrible qui est l'alcool. N'est-ce pas l'enfant que j'adore? Juliette! Comme vous pouvez sûrement le constater, je n'ai jamais eu de chance aux 1000 bornes. Voilà. Sacha, ça avance, le bouchon, il avance. Et voilà, nous suivons le jeune Sacha Pradel, donc, qui a décidé aujourd'hui de relier Nice à Paris, non plus en skateboard, mais en courant, n'est-ce pas? Donc nous le suivons. Voilà, voilà. Oui. Bon, je suis là parce qu'il faut courir très vite là. Regarde, allez, cours, Sacha, cours. Voilà, voilà, allez. Allez, allez, allez. Encore un petit effort, Sacha Pradel. Allez, allez, allez. Mais je n'ai pas le droit, ma chérie. Déjà, ce qu'on fait, c'est interdit par la loi. Ah, la voix se resserre, je ne sais pas comment Sacha Pradel va réussir à... Voilà. Allez, Sacha Pradel, il faudrait remonter dans la voiture aujourd'hui.
Moi, je l'air con, je me suis fait que mes ongles des pieds gauche. Sur l'autoroute à 9, avec des morceaux de pneus en direction de l'Espagne, après la sortie de Lequin. Et ils ont l'air de moins s'amuser que nous, ils font pas des films. La sortie, elle est formidable, regardez la sortie comme elle est belle, elle est bouchée. On voit même que là-bas c'est bouché, je craque. Voilà, ça y est, je le dis, je craque. Je craque. Non. Fuc. Comment on va faire? On va mourir. On va mettre des heures et des heures. Oh non! Mais heureusement, on a le iPad qui va nous sauver la vie. Donc voilà. Filme-moi en train de craquer. Craque, Emily, craque. Et filme Juliette qui craque aussi. Juliette aussi, tu craques? Tu craques toi aussi? Voilà, on était dans ce fabuleux bouchon qui dure encore longtemps, longtemps. Ah, c'est la misère, et puis en plus il y en a qui essayent de gruger, ça m'énerve les gens qui grugent là. Ah mais fais attention. Ouais, on a envie de mourir. Ah non, c'est bon. Non mais fais attention maman. Je fais attention mon cœur, tu sais quoi, c'est juste que j'essaye de comprendre ce qui se passe. C'était fabuleux. Bonsoir. Il est actuellement 19h36, cela fait maintenant 5 heures qu'on est dans les bouchons. Non, plus. Attends. 5 heures, je crois, c'est déjà pas mal. Non, c'est plus. 5 heures. Bon, bref, ouais. Que nous sommes dans ces bouchons par rapport tout ça, à cette espèce d'épidémie radioactive et de toutes ces gens qui fuient. Et voilà, donc nous sommes sur une petite nationale. On avait trouvé des murs. Oui, parce qu'en fait, on a voulu faire les malins et sortir par les toutes, toutes petites routes. Et en fait, on a fait l'idée, tout le monde a eu la même idée. Donc heureusement, alors que nous sommes perdus dans cette nature sauvage, heureusement nous avons trouvé de quoi nous nourrir des murs. Allons cueillir des murs. Nous ne mourrons pas de faim ce soir. Non. Et Juliette a eu son goûter. Yes. On est perdus sur un petit chemin. On sait pas où on est. Comment on va faire? Faut qu'on sorte de cet embouteillage monstre. La radioactivité nous guette. Ça y est, Emily pète son câble. Africano, clandestino, marijuana illégal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Ouais, Emily pète un câble. C'est normal, on fait tant de bouchons. Et on peut pas dire que le Melbourne, ça s'améliore. Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan, ça y est, c'est fini. Oh là 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 là, non! Oh là là, putain! C'est horrible, c'est horrible! Non! Ma pauvre Ellie! Elle est stylée. Non! C'est sympa, c'est... Ça y est, on voit que t'en as marre, là.
Ça y est, ça y est. Les clones sont morts. Ça y est. Moi je mange, ok? Ok. Ok. Donc ça y est. Ça fait 8 heures. Ça fait 8 heures qu'on est parti. 9 heures, ça fait 9 heures qu'on est parti. Il est 21h. Il est 21h. Alors, on est parti à midi. Voilà, devinez où nous sommes. Nous sommes à Florence, qui est exactement à 15 km de Sète. Oui, oui. Ah ouais. Au moins pour aller mettre dans notre cahier là. Ah oui, notre petit cahier de voyage. Mais là, nous allons faire un film de voyage, ouais. En fait. On a décidé, là. On est paumés. Là, il nous reste à peu près combien? 4 heures de route, hein. Un voyage qui devait durer 5h30. Non, 4 heures de route sans bouchons, mais il y aura bouchons. Des bouchons. Sans bouchons. Si on y arrive. C'est évident, c'est évident. Si on arrive. Narbonne. C'est évident. Enfin, du coup, nous nous sommes arrêtés à un petit restaurant charmant de Florençac. Ouais, bah, ouais, c'est sympa. Il y a du vin, il y a du melon, il y a des gens. Il y a des parasols. Il y a Juliette, qui est très, 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 très possessive avec son melon. Mais on la comprend, ouais, ouais, car cet enfant a failli mourir de faim lors de ses périples. Mais on a eu des murs, on a eu des murs. Oui, nous nous sommes arrêtés manger des murs, évidemment. Vous avez vu ça dans notre épisode précédent. Là, comment vous dire, nous allons nous reposer. Hein, on va se calmer un peu, on va boire. Enfin, moi, personnellement, je vais boire un peu de vin pendant que les enfants vont boire de l'eau et du sirop. Mmh. Et ensuite, nous allons nous régaler avec ces belles assiettes qui arrivent. Voilà, on va vous laisser. Waouh, ça, c'est l'entrée. Et nous voici dans un petit village, Florençac, dans le sud de la France. Nous nous attendons le skater fou qui, paraît-il, s'est trompé de chemin. Et oui, car normalement, il devait quand même partir vers Paris. Nice-Paris en 2h40, je crois que pour lui, ce challenge est fini. Nous sommes ici à Florençac, il est bientôt 22h30. Mais que fait-il? Que fait-il? Ah, je crois que ce skater n'a aucun sens de l'orientation. Il ne reliera jamais Paris, car voyez-vous, il est parti à l'ouest. Et comme il est parti à l'ouest, il restera à l'ouest. Mais Quentange, le revoilà! Mon Dieu, mais que fait-il? Le skater fou! Ah! Alors, Florençac, 22h40, voilà. À peu près. 50. Ah, 50, ouais, 50. Voilà. Allez, 50. 22h50. Voilà. Et nous repartons. Toujours pour, brave, hein. Voilà, pour essayer de rejoindre quand même le Gers un jour, quand bah, même. Bah, ouais, on va essayer quand même. Qu'en dis-tu, Juliette? Ouais. Oui, mais... Ça fait 11... Oui, mais... Maman. Vous avez pu le constater, encore 280 km avant Toulouse. Et on y croit. On va y arriver. Non, c'est la nuit. On voit la fin. Et oui, c'est comme un énorme tunnel géant. Un tunnel intergalactique. Nous achevons donc notre voyage ici. Ça y est. On peut plus en humeur. Il est exactement 1h40 du matin. On est quand même parti à midi, hein, quand même. Quand même, faut dire. Ça peut plus. Il peut plus parler. Plus. C'est fini. Avec Juliette qui dort et qui va devoir se réveiller. Merci. Et à demain.